Vous découvrirez aussi que Mana est très certainement le plus grand danseur de tous les temps. C'est horrible. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Non, ah bah, moi, j'étais pas là. C'est terrible, hein. En vrai, j'aurais pu m'entraîner, j'aurais pu me préparer si on m'avait dit. Non, non, on m'a rien dit. Non, t'inquiète, tu viens comme tu es, pas de problème, c'est comme chez Mana. Mais Mana, sans surprise. Sans surprise. Dark and night, black and white, je suis en quête dans l'arène. En PVP ou PVE. Et Mana, honnêtement, oh non. Si Michael Jackson est mort, c'est très dur à croire aujourd'hui. Parce c'est que je crois qu'il s'est réincarné. C'est quoi l'OP de ce soir? Non, je prends rien en plus. Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Tu connais Clash Royale? C'est un vrai mobile. Bah, grave, moi je suis sponsor Clash Royale. Je suis un énorme joueur de Clash Royale. T'as fini le jeu? C'est quoi ton J'ai fini le jeu exactement. Trois fois. Tom 10, viens ici. J'aurais demandé, sortez Clash Royale 4. Là, c'est un truc. Ouais, Sunday dans la cuisine et tout. J'étais en mode, ouais, les mecs sont là. Bon, chance. Mais oui, j'étais en mode, est-ce qu'il sait mon niveau en cuisine ou non? Non, non, non. Ah, donc t'as découvert réellement. Ah, j'ai rien découvert. On m'a parlé d'une perceuse. Moi, je me souviens d'une tarte tatin avec des pommes pas cuites aussi. Ah, j'ai fait quelques performances culinaires, notamment une crêpe au micro-ondes. Le canapé de Gigi est un canapé 34 carats. Rappelez-vous, quand comment il l'avait commandé en Italie et tout, il était en mode ouais, mon canapé, je sais plus combien il l'a payé et tout, mais bon, bref, c'est faramineux. Pendant toute la soirée, il y avait Domingo et Genius sur le canapé. Autant dire que Genius, il n'était pas sobre. C'est mon coup. J'étais comme il fallait. C'est vrai que tu n'étais pas dans un état minable. Mais c'est assez surprenant parce que faut quand même savoir que Genius, quand il boit un coup, il oublie de mettre du soft dedans. Ça surprend les gens que je prends de la vodka pure. Alors, ça surprend. Ah, oui, ça surprend. Ouais. Ah, bah, ça surprend surtout quand elle est au goulot. c'est ça qui surprend. Domingo et Genius qui sont dans un angle du canapé. Ouais. Et toute la soirée, je les ai vus renverser des trucs sur le canapé. Oh, là. Non, le premier, c'est Domingo qui renverse un truc. J'ai pris un moment sur Insta en story parce que vraiment, Domingo, il renverse sans déconner le trois quarts de son verre. Tout. Oh non. Il est comme ça sur le truc, mais il fait pas être fraîche parce qu'il prend. Après, ouais, c'est trop bien ça. Non, mec, c'est toi. Pas de ma gueule. Et vraiment, le canapé, l'angle là, il a pris sa race pendant tout le week-end. Voilà, regarde. Oh, ah oui, carrément. Tu peux voir. C'est quoi cette story là? D'où ça sort cette histoire? C'est juste toi et Rizzo, il y a rien de. Oh, bon, c'est juste toi et Rizzo. Oh, bon. On note que s'il s'inquiète, c'est qu'il y a raison de s'inquiéter. J'ai un peu pris de boisson, c'est vrai. Oui. Le genre de choses qui arrivent à tout le monde. Ah Dominique. Il avait pas prévu, moi. Quand il va rien. Frérot, on met un coup de dessus tout. Personne ne verra rien. Moi, belle, hein, ouais. On va. Elle est belle. Mais quoi, elle va aller dans son cul. Ouais. Bah écoute, on peut la fourrer dignement. Hein. Oh. Je pense que ça va faire un peu mal. Mais c'est comme ça. Elle avait toujours attendu qu'on la fourre comme ça en fait. Ça me rappelle une copine. Elle peut peur que ce soit un regret. Et du coup. C'est un peu ça. Oh non, putain. Alors en fait, on y met les doigts. Mets les doigts. Il y allait jusqu'au fond. Et là, du coup, tu vas la fourrer. Oh, Thibaut, tu m'émousses, je m'en suis mis partout. Regarde, il y a 32 cm de gras, 32 cm de bonheur, Sunday. Beau diamètre, cette volaille. Ah, ça, j'en ai déjà fourré des choses. C'est bon, je suis assez au fond. Ouais. Oh la vache. Les mecs qui n'ont pas l'image actuellement. Ouais, oui, oui. Ça va être la meilleure émission à suivre en podcast. Je suis allé à la FNAC le jour même, à Défense. Et du coup, il y a une bande de jeunes. Ouais, ils devaient avoir quoi, 16-17, tu vois. Et je suis là et tout. Et je les vois, ils connaissent grave, ils connaissent tout. Je leur pose la question. Je dis, les gars, les genoux là. Je dis. Vous connaissez Jiraya, le streamer? Fait non, mais c'est un prank. Ouais, je suis sa pote. Et je suis son ami, son meilleur ami. Mais ils m'ont pas reconnu en plus, tu vois. J'avais une masse. Donc j'hésite à me dire et toi t'es Genius? Non rien du tout. Rien du tout, ils m'ont pas reconnu. Et du coup aujourd'hui je sais pas avec l'homme qui est tombé amoureux de League of Legends. Ce week-end parce qu'il a regardé Arcane. Tu l'as démonté. J'ai regardé Arcane une seule fois tout le samedi après-midi. Et c'est vrai que moi qui suis très loin du monde de League of Legends, donc du coup j'attends quand même demain le récap. Pour le dire, la série est très cool, archi bien faite, un doublage français exceptionnel. Bon d'accord, merci Erwan, n'hésite pas à en parler demain, hein. C'est une lecture de sport. Dans l'émission de ciné, hein, on finit avec un gars qui... Le streetwear, ça fait partie de toi. Oui, bah surtout les baskets, hein. Moi les talons... Bah... T'emportes, je t'ai jamais vu en talons, je crois. Alors,
J'en porte, mais alors une fois, de temps en temps. Il faut vraiment me trouver quand il faut. Quoi. Ah ouais ? Quelle occasion te fait sortir justement les talons ? Quand il y a quelqu'un à charot, quoi. C'est la seule et unique raison, en fait, sinon je les sors jamais. Ça dit les termes. Non, mais et est-ce que ça marche ? Bah évidemment. Ah bon, elle est sûre d'elle, j'adore. Évidemment. Bonjour, c'est l'heure de télé-shopping. Vous êtes prêts pour 45 minutes de shopping à la maison ? On va retrouver Marie-Ange et Ophélos. C'est effectivement la troisième fois que je ramène mon petit sac à ma liste dans lequel je mets plusieurs objets. On est déjà le 16 décembre, dans près une semaine, eh bien c'est Noël. Il reste une petite semaine pour essayer de dénicher des objets à offrir à vos proches pour Noël. Je te connais, toi. Connaissez effectivement mon côté minimalisme. Ma solution du jour. Rabattez-vous sur les objets du quotidien. D'accord. 1. Très simple à trouver. 2. Mais quel ratus ! Pas cher et vous pouvez en offrir plusieurs d'un coup. J'en ai marre. 3. C'est des consommables, vous allez voir. Et 4. C'est même pas qu'ils sont utiles. Ils sont indispensables. Il va nous sortir un pack de cristalline. Je t'annonce tout de suite, si tu sors une cuillère, je me bats avec toi. Alors, j'en ai déjà marre. Alors. Mon parcours, je viens retracer. Dark and night, black and white, je suis en quête dans la reine. Qui a vu le clip du coup ici même? Personne. Si, je l'ai vu en avant-première. Tu l'as vu? Moi, il me l'a envoyé, je l'ai upload sur la vidéo YouTube parce que ça sortira également à 21h sur ma chaîne YouTube. Je suis resté tard et Alex. La night. Ouais, et du coup, j'entends la musique et je le vois. Je fais alors, c'est fini. Il me dit ouais, c'est fini. Et j'ai dit bah vas-y, montre-le moi. Et il m'a dit ok, tu seras le premier talent à voir. Et du coup, je peux vous dire que c'est. Bah, j'ai hâte 21h quoi. J'ai hâte 21h. Le mot talent a été utilisé ici. J'allais dire, t'es déjà content d'apprendre que t'avais du talent quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on te le dit pas souvent, mais. Ça, c'est l'ambiance de Noël. Le premier, c'est mon happening. Est-ce que tu peux, mon cher Rizzo, est-ce que tu peux zoomer à peu près ici? Je te jure, t'as mis un rouleau de PQ, je te casse la gueule. Ouais, vraiment. Vous allez voir, c'est fabuleux. Je suis sûr que vous connaissez pas. Regardez. Oh, mais qui a marqué ça? T'as niqué un desk pour ça. Heureusement. Mais c'est quoi? J'ai les éponges magiques. Mais gros, c'est pas le téléachat. Mais c'est pas le téléachat, t'es sérieux ou quoi? J'adore. C'est pas le pire en plus. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bah, ça commence très fort déjà. Sécurité. N'hésitez pas à offrir les éponges magiques. Non. Ça marche super bien. Alors, regardez bien. Avec une éponge ordinaire. C'est vraiment le téléachat. Avec mon éponge ordinaire. Bah, déjà, elle est sèche. Mais elle est déjà brûlée. Non, mais c'est quoi cette merde? Il est Non. J'enlève le Rizzo, t'enlèves le déso. Vas-y, d'accord. C'est quoi, d'accord, vas-y. Ok. Si ça marche, gros. Ok. Attends, on fout partout là. Attends, si ça marche, il dégage. Mais c'est surtout que ça. Allez, c'est parti. Oui, mais parce que. Oui, mais. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce lundi 13 décembre. Bonjour Chrono. Bonjour, comment ça va? On est vraiment en direct? Bah ouais, ça a commencé. Ça a commencé, l'émission a commencé. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui, un peu comme l'éponge, essuie. Au secours. À mouchoir. Le PQ. On va aller au PQ. Je te jure, t'as mis un rouleau de PQ, je te casse la gueule. Alors, j'ai fait un classement. Marie, tu peux lancer si tu veux. Voilà. Ça. On a les différents papiers toilettes tu sais que j'ai testé pour vous. Attends, alors. T'es en train de nous caler une tier liste des PQ au milieu de ta chronique de merde. Oui. Là, en fait, on va les couper grossièrement. Ce qui est important, c'est de bien les préparer. On va pas. C'est pas ma T4, c'est oignon. Non, mais si, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas les ciseler. On n'a pas besoin de les ciseler. Zary, tu ne participes pas, tu laisses ta moyenne intacte puisque Zulu est là. Tu vas nous faire l'immense honneur de nous régaler. En fait, c'est ça, tu as ta propre moyenne. Tu n'as pas joué pour moi. Alors, nous, on a mis une règle pour que ça puisse être un peu équilibré, c'est dès que tu comprends une question, c'est un point. J'aurais rigolé, mais j'ai pas osé. J'espère tellement que le karma il va frapper fort. J'y crois pas trop. Il y a 12. C'est bien. Propre. C'est normal. J'espère qu'Erwan fera qu'un point. Mais ça fera toujours un de plus que toi. J'ai 12.
Oui. Je sais pas comment t'as fait pour faire moins bien que la V1. J'ai tout donné. Vraiment que la non, soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes. Il est quand même. Ouais. Certes, la chronique n'est pas... Mais... Tu as l'honnêteté de me faire rire, oui, c'est vrai, et de me donner un fou rire à chacune de tes chroniques. En soi, c'est là où que moi je te remercie, parce que ouais, ça me détend vraiment. Après, t'es viré. Mais voilà. Du temps j'en ai passé. Parcours, je viens retourner.